contrôle, mais... C'est pas ici qu'on tourne. Non, tout au bout. Ouais, après le ralentisseur. Ça marche. Donc, on peut déjà informer qu'on va tourner, effectivement, à droite. On a contrôlé, on a vérifié qu'il n'y avait pas de vélo. Là, ça passe en deuxième, Whittled. Comme il y avait la pitote. Ah oui, ok, d'accord. Elle était un peu loin, j'aurais pu me passer, c'est vrai. Oui, mais bon, après, c'est pas grave, l'intention est là, on gêne personne derrière. Hop. Après, s'il y a du monde derrière, oui, méfie-toi. Bon, alors nous, on voulait... Bon, on va prendre cette place-là. Ah, ici? Bah ouais. Oula, d'accord. Elle est un peu plus short, mais bon, ça va encore. Il y a un peu plus de place qu'une voiture, donc bon. Je vais pas y arriver, du coup. Ça veut rien dire, hein, on sait jamais. Donc... On recule un petit peu. Voilà. Là, on peut commencer à tourner nos roues à droite. À fond, à fond, à fond. Voilà. On va voir. Je me suis mal pris. Oui, on va ressortir. On va ressortir. C'est vrai qu'il faut être un petit peu plus précis quand on a la place que pour une voiture. Là, c'est un peu juste, Whittled. Oh non, là, je suis trop proche. Je suis trop proche. Ah bah, remarque, on est trop près là. Oui. Rééloigne, réavance un petit peu. Okay. Et réajuste à distance. D'accord. En t'écartant. En m'écartant, très bien. Hop. Voilà. Comme ça. Ouais, clignotant droit. Ouais. Et c'est reparti. Donc on va attendre que quand la ceinture elle arrive au niveau de l'arrière du véhicule. D'accord. On commence à tourner. Okay. Donc encore un petit chouïa, encore un petit chouïa. Là c'est pas mal. Oui. On continue. Alors on lâche le frein. Mm-hmm. Ouais. Utilise que ton embrayage. D'accord. Et oui, tourne. Oui, tourne bien. Tourne à fond, à fond, à fond, à fond. Voilà. Ensuite tu regardes le véhicule de derrière en vision directe. Mm-hmm. Et tu recules. Jusqu'à temps que ton phare de droite soit oui. aligné au sien. D'accord. Encore. Hop. Encore, un, encore peu. Un peu. Là, on est bon. Oui. Donc là, c'est le moment de contre-braquer à fond, à fond, à fond, à gauche. Ouais. Ouais, on est bien à fond. Ok. On relève l'embrayage. Encore un petit peu, là c'est le trottoir qui est juste devant toi. D'accord. Que tu es en train d'escalader hein, pour rentrer dans ta place. Encore un petit peu, on recule. Voilà, encore un petit peu jusqu'à toucher le trottoir. Ça y est. Oui. Ok. Donc, on repasse au point mort. Oui. Première, on braque à fond les roues. Et on réavance un petit peu. Voilà, tout doucement. Voilà, encore un petit peu, encore un peu. Vas-y. Et tu t'arrêtes net. Ouais. Ok. Ensuite, marche arrière. Ok. Et cette fois-ci, on veut faire rentrer l'avant du véhicule. Donc, on va tourner le volant à gauche pour que l'avant rentre. Alors, lâche ton frein. Ouais, je lâche le frein. Ouais, lâche ton frein. Fais avec ton petit embrayage. Là, c'est le trottoir. À ta gauche que tu es en train oui. de monter, c'est pas celui de droite, donc tu peux monter et forcer. On sent que c'est la roue qui oui. est là. Voilà, oui, là la roue est montée. Que... Non, t'inquiète pas, tu peux y aller. Oui, on dirait que tout est plus proche. Oui. Donc là, voilà, on réavance. Là, tu as largement la place. On pense qu'on en a pas, mais on en a beaucoup oui. plus que prévu. Hop. Voilà. Et effectivement, une petite marche arrière pour remettre. Les roues droites. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais, voilà, impeccable. Donc pas évident, hein. Fallait non, peut-être évident. Prévoir la bouteille d'eau. Oui. Mais là, c'est bien, c'est très bien. J'aurais voulu qu'on ait un peu D'accord. plus d'espace pour manœuvrer parce que c'est vrai qu'à l'examen, c'est pas ce genre de place qu'on te donnera. D'accord. Tout simplement parce que si tu venais à caler, on est tellement proche du véhicule de devant ou de suite derrière qu'il y aurait un risque. D'entrer de en collision. En collision ouais. Donc en général, on te laisse une place avec
aucun véhicule à l'arrière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais au moins, c'est bien de s'entraîner au plus dur. Mmh. Bon, c'est plutôt pas mal pour tes créneaux. Hein. C'est plutôt pas mal. Ouais. T'as une, t'as un bon repère dans l'espace. Mmh. On arrive à bien visualiser son placement. Et tu sais de quel côté tourner tes roues pour faire rentrer l'avant ou l'arrière de ton véhicule. C'est l'idée à l'examen. C'est ce qu'il faut. Super. D'accord. Eh bien, écoute, on va ressortir. D'accord. Allez. Bon, l'avantage quand on ressort, c'est qu'on galère un peu moins que quand on rentre. Ça, c'est pas encore dit. Alors... Là, je serais plutôt marche arrière. D'accord, ouais, parce que je pensais que, je m'étais, que j'étais en fait. Ouais, effectivement, je suis collé au véhicule de devant. Un petit peu. Bon, au véhicule de derrière, un petit peu aussi. Pas facile de se rendre compte. Voilà. Ouais, encore un petit chouïa. Voilà, impeccable. Ensuite, effectivement, contrôle. Donc, en temps normal, on tournerait nos roues en avançant, mais là, ayant très peu d'espace vers l'avant et vers l'arrière, on est un peu obligé de les tourner sur place. Et c'est reparti. J'ai rien touché. Ouais. C'est le principal. Non, c'est bien. Très, très bien. Alors, nous allons prendre au feu à droite. D'accord. On va peut-être aller voir des créneaux à faire en côte. D'accord. Comme ça, ça va te permettre de bien jouer avec le point de patinage parce que ça peut arriver à l'examen. Mmh. On n'a pas que des créneaux sur du plat. Ouais. Oui, tout à fait. Tu peux t'engager en troisième même si les piétons sont encore un peu loin. Ça, c'est pas grave. Alors devant nous, nous allons avoir un... Ah, le piéton à gauche, tu l'as vu, c'est bien, impeccable, nickel. Alors c'est toujours pénible parce qu'en face, les véhicules s'arrêtent rarement. Et c'est reparti. C'est reparti. C'est pas grave, on va accélérer un petit peu plus. Là, tu as débrayé trop. Voilà, tu joues bien avec ton point de patinage et l'accélération. Alors au rond-point, on a dit qu'on allait à... À droite ? À gauche. À gauche, pardon. À gauche. Écoute, c'est pas grave. Hop. On a le marquage au sol. Ouais. Alors, les règles de priorité en tournant à gauche. On s'insère au centre et c'est priorité à ceux qui sont sur rond-point. Non, c'est les feux, là. Ouais. Non, il y a des feux, donc c'est priorité à ceux qui sont sur rond-point. Enfin, qui... Alors, démarre. Vas-y, démarre. Ouais. Regarde qui a le feu vert en même temps que toi. Les véhicules qui viennent d'en face. Il n'y a plus personne en face. Donc là, c'est bon. Tu peux y aller. Regarde où tu vas. Oui. Voilà. Passage piéton est dégagé. Alors, céder le passage. On cède le passage à qui ? Non, c'est un giratoire. Voilà. Donc, tu cèdes le passage au véhicule qui a mis son clignotant à gauche. Exact. Bon, c'est parti. Et eux, ils nous cèdent le passage parce qu'ils ont un céder le passage. Alors, lis bien la signalisation. Là, c'est une rue à sens unique, donc c'est une petite priorité vélo. On a le passage piéton vers l'avant, l'intersection à droite. On a vu les oreilles du céder le passage et le marquage au sol. Donc on dynamise. Et on dynamise. Voilà. Hop, piéton. Au prochain feu, on prendra la deuxième rue sur la droite. D'accord. Donc là, on peut se replacer effectivement. Oh, oui, oui, effectivement. C'est peut-être un peu violent. Un petit peu. C'est à droite. Deuxième rue à droite. Ouais. D'accord.
on voit la première rue. Et nous, c'est la deuxième, comme le camion. Allez, dynamise. Voilà. Alors, à combien t'es limité ? 30. Ok. Et c'est valable jusqu'à là ? J'ai l'intersection. Ouais, tout à fait. C'est pour ça qu'après chaque intersection, ils vous remettent des panneaux 30 à chaque fois. D'accord. Donc là, on a la priorité, ils ont un stop. Par contre, pense à pas trop la regarder comme si c'était une priorité à droite. Sinon, on va penser qu'on n'a pas compris les règles. Okay. C'est bien pour les espaces de sécurité. On va tourner au feu à droite. D'accord. On pense à contrôler. Il n'y a pas de vélo, personne dans l'angle mort. Pas de piéton qui traverse. On peut rester en première en relevant l'embrayage. Relève l'embrayage, relève-le. Ouais, pour le frein moteur. Voilà. Sinon, après, on tourne en roue libre. Il y a un petit peu trop d'élan. On n'aime pas ça en plus. Je dois utiliser le frein et puis. Voilà. Donc on a un vélo qui arrive en sens inverse. Effectivement, on peut indiquer au vélo qu'on serre à droite pour le rassurer. Voilà, il sait qu'on l'a vu et c'est reparti. Pense à retirer ton clignotant. Et on suivra les panneaux directionnels nous indiquant la gauche. Alors, on a un panneau de fin de zone. Fin de zone, un stop aussi. Le stop, passage piéton, ralentisseur. Pense à te positionner à gauche. Plus à gauche, plus à gauche, gauche, tout. Ouais, regarde le trait. Il est là. Alors, là. Voilà. Alors, à gauche, c'est OK. À droite, on a un véhicule. Et puis après, on peut y aller. On n'a pas de piéton. Allez, go. Alors, on a quoi comme panneau ? Ralentisseur, c'est trop. Ouais, et un passage fréquenté par les, ouais, par les enfants. Oui. Attention au marquage, c'est le feu rouge là ? C'est dans la lune ? Je regardais les marquages au sol. Ah ! Attention à ne pas se fixer que sur un seul point. Complètement. Restez aux aguets. Oui. Et prochain feu, tu tourneras à droite. D'accord. Ici, là. Ouais, elle est un petit peu décalée, elle est un petit peu plus loin. Faut commencer à freiner à 1000 tours. Oui. 1000, juste 1000. Non, débraille pas. Non, tourne. Oui. C'est large, on a de la visibilité. On est très bien en deuxième, là. Mmh. On anticipe l'obstacle. Voilà, pas trop, juste un mètre. Un petit mètre. Voilà. N'exagère pas dans nos espaces. Donc on a la limitation de vitesse à 30. Et passage piéton, priorité avec ralentisseur, avec obligation. Donc on contrôle, on vérifie qu'il n'y a pas de vélo, pas de piéton. Allez. Rien du tout. Allez, dynamise un petit peu. Voilà. Et on continue tout droit dans la rue sans issue. D'accord. On va en profiter pour les manœuvres. Ça va.